To the right, to the right. Ils sont malins. Il y a pas de right là. Turn left. Ah ben faut savoir. Go backward. Pourquoi il me parle en anglais ce truc d'ailleurs? Elle est où la version grecque? Dar bist metr pepichit. Oh non, c'est pas possible. Maintenant ça me met la version perse. Allons bon, le téléphone. Taisez à l'appareil. Allô mon grand, c'est G. Comment ça va? Ça va papa, mais je suis coincé dans un labyrinthe en Crète, alors si tu veux... En Crète? Mais ça va me coûter une fortune en communication ça. Non mais t'inquiète, c'est moi qui paye quand je suis à l'étranger. Ah bon, bon, et tu travailles bien? Bah t'es peut-être le roi des Athéniens, mais moi je suis le roi des cons. J'ai accepté d'aller tuer le Minotaure au fin fond d'un labyrinthe construit par Dédale, il y a zéro signalisation et en plus le réseau est vraiment pourri. Ah oui, bravo, c'est bien ça. Écoute mon grand, je voulais te dire de ne pas trop en vouloir à ta belle-mère. Elle regrette beaucoup d'avoir essayé de t'empoisonner. Tu sais comment elle m'aider. Jalouse comme un poulpe. Ouais, enfin, ça fait quand même la troisième fois. Non, mais tu verras plus tard, si tu te remaries. On devient plus tolérant avec les petits défauts de l'autre. D'ailleurs, comment ça se passe avec ta nouvelle petite copine, la Rihanna? Elle est gentille avec toi? Ariane, pas Rihanna. Bon, écoute, papa, j'ai pas trop le temps, là. Je suis complètement paumé, le GPS a planté. Ah! Ah bah ça y est, c'est elle qui me rappelle justement. Je te laisse. Tu lui transmets le bonjour de Papa Égée. Tu lui dis qu'elle est la bienvenue à Athènes si elle veut venir passer un week-end oui. Et dormir à la maison. Oui, allô, Ariane. Purée, c'est pas trop tôt, je t'ai laissé 15 messages. Oui, bah c'est bon, j'avais plus de batterie. Bon, t'es où là? Bah j'en sais rien, il y a un mur à droite et un mur à gauche. Non, tu m'aides pas du tout là, Thésée, trouve un truc plus précis. Bah je suis devant une pub Hermès. Ah oui, d'accord, non, c'est pas du tout la bonne partie du labyrinthe. Il faut revenir sur tes pas et tourner au niveau du rond-point. Franchement, c'est casse-pied ton système de guidage à distance. Non mais imagine juste comment c'était avant qu'on invente le sans-fil. Bah on se débrouillait, c'est tout. Bon. Et sinon, tu t'es décidé à parler à mon père pour le mariage? Attends, Ariane, c'est pas le moment, là. Je suis au rond-point, je fais quoi, maintenant? Essaye de repérer le garage du roi Midas. Et ensuite, tu prends la deuxième action... Hey, attends, là, je ne comprends rien. Répète, je t'entends plus. T'es où? T'es dans ta salle de bain ou quoi? Ariane? Ariane? Ah, c'est la meilleure. Il y a carrément plus du tout de réseau. Un problème avec le Wi-Fi, monsieur Thésée? Oui, Thésée, mon chou, c'est Ariane. Bon, bah, rappelle-moi quand t'auras ce message. Je t'ai envoyé une photo d'un atrium néoclassique très sympa pour la soirée du mariage. Tu me diras ce que t'en penses. Bisous, bisous, bisous. In 40 meters, turn right. Chers compagnons, vaillants guerriers, amis délégués syndicaux, représentant le personnel navigant de l'Odyssée, j'ai une communication à vous faire. Quand Ulysse commence comme ça, c'est qu'il va essayer de renégocier nos RTT. Cette fois-ci, je ne veux pas vous parler de réduction du temps de traversée ou de remise en cause de la pénibilité. Ah bah tu vois, t'étais mauvaise langue. Je viens de recevoir un courriel de Circé, m'informant de l'imminence d'un danger sur la route maritime que nous nous apprêtons à emprunter. Des sirènes maléfiques charment de leur voix les voyageurs et les entraînent vers les abysses. J'ai cependant décidé de maintenir le plan de navigation. Pour garantir le confort et la sécurité de l'équipage, j'ai décidé de distribuer à chacun d'entre vous des appareils qui devraient vous prémunir de tout danger. Eh, mais c'est hyper sympa! C'est quoi ces trucs? Bah, c'est un smartphone! Tous les guerriers du Péloponnèse en ont un! Tu peux stocker toute ta musique et tous tes films dedans, c'est hyper pratique quand t'es en voyage! Ça a dû lui coûter une blinde! Ouais, enfin t'inquiète, je te parie qu'il a juste profité du saccage de l'Apple Store pendant la prise de la ville de Troyes pour piquer un carton dans les stocks. iPhone 3. Ah ouais, t'as raison. Enfin, c'est cool quand même, hein. Chacun de ces appareils est doté d'une paire d'oreillettes. Je vous demande expressément de ne pas les quitter durant toute la traversée. Il ne faut pas que vous entendiez les sons extérieurs sous aucun prétexte. Ceux qui ont écouté les voix des sirènes ont été perdus à jamais. J'ai podcasté pour vous une sélection de chansons grecques typiques qui devraient vous permettre d'échapper ainsi à une mort certaine. George Michael, Athéna Mouskouri, Artemis Roussos. C'est plutôt si on écoute ça qu'on va vers une mort certaine. Pendant ce temps, je serai moi-même attaché par vos soins au mât du bateau avec des liens solides. Et même si je vous ordonne de me détacher, vous ne devrez jamais céder à mes supplications avant d'avoir franchi ces périls. Je rêve ou il nous propose un plan bondage, là? Ah bah, elle est belle, la modernité. Chacun avec ses petits écouteurs, plus personne ne se parle, c'est vraiment le triomphe du moi, hein. Quoi? J'ai dit, on ne retire pas ses oreillettes. Ulysse. 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 Rembourse les 320 milliards prêtés par l'Europe. Ulysse. Dégage un excédent budgétaire de 3,5%. Transforme ton système fiscal. Non, non, détachez-moi! Et le prêt du FMI à 1,5%, Ulysse. Réforme ton système de retraite. Divise de 230% le salaire de tes fonctionnaires. Pitié! Non! Ah, c'est insupportable! Rétablis le contrôle des champs. Alors, ça a marché? Pas vraiment. À croire que les Grecs sont complètement bouchés. J'ai bien peur que les sirènes de la Banque Centrale Européenne ne soient pas assez efficaces face aux rusés Ulysse. Bon, ben on va envoyer la deuxième équipe. Vous êtes sûr? Poseidon, j'écoute.
Commission européenne à l'appareil. Envoyez-leur les sirènes de la Bundesbank. Cigarette, cigarette, cigarette. T'es sûr qu'on va trouver ce qu'on veut chez Héphaïstos ? Écoute, Pénélope, c'est le dieu du feu et des forgerons, le plus grand orfèvre de tout le panthéon gréco-latin. Et en plus, il débloque les portables. En tout cas, on se sera donné du mal pour ce cadeau de mariage. Je te parie que tous les autres invités vont offrir des trucs grecs, hyper chichiteux, genre un olivier en pot ou une mini-acropole en plâtre. Oui, bah, Eros et Psyché, c'est un super mariage. On est potes avec eux depuis hyper longtemps. On peut faire un effort, quand même. Dis donc, ça fait une éternité que j'étais pas venu dans ce quartier. Hadès Rochechouart, c'est vraiment craignos. Depuis le temps qu'ils annoncent qu'ils vont boboiser les enfers, franchement, moi je vois pas la différence avec avant. Et t'as vu tous les barbus? Il y avait autant de dieux perses la dernière fois? À mon avis, c'est plutôt des dieux germaniques qui ont loué des Airbnb pas chers. 12 boulevard Hadès, on y est. Ah bah tiens, revoilà Hermès. Ils t'ont pas encore mis en prison avec toutes tes arnaques, toi? Grâce à Dieu, ça va, monsieur Héphaïstos. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah, j'ai un problème avec mon smartphone. Jusqu'à lundi, je joue encore de la flûte, mais là plus rien. Fais voir ton truc. Eh mais attends, c'est pour la queue d'origine, ça? Ah bon? Bah non, regarde, des écailles, des petits ailerons tout rabougris. Je te parie que ça vient d'un dragon chinois. Dis donc, si tu prends les trucs de mythologie asiatique pour les greffer sur du gréco-latin, faut pas t'étonner que ça se mette à déconner, hein. Je me disais aussi, je l'avais pas payé très cher. Désolé, hein. Oui, bon alors, la box de Pandore, ça vous plaît pas, visiblement. Bah on sait pas si ça va fonctionner à l'intérieur de la pyramide de Gizeh, alors... Sinon, dans Jérôme Cinéma, j'ai aussi le bouclier d'Achille. Ça, c'est le top du top. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai forgé. Regardez-moi cet engin, c'est magique. On a accès au monde entier. Asie mineure, Méditerranée, palais des dieux sur l'Olympe, les villes, toutes les cités attiques, la carte de l'océan, les champs de bataille en direct. Et tout en 16-9e, hein. Il demande si votre parabole peut capter Al Jazeera. Ces dieux égyptiens me fatiguent. Bon, et vous, c'est pourquoi? Bah, on cherche une idée de cadeau de mariage pour des amis. On nous a dit qu'on pouvait trouver quelque chose de sympa chez vous, alors voilà. Bah voyons, vous me prenez pour l'inspecteur gadget, quoi. Non, c'est juste que... Bon, ils sont comment, vos tourtereaux? Si vous voulez un truc un peu chaud pour remonter la libido du couple, on a la ceinture d'Artémis. T'es dingue, on va pas offrir un sextoy à Eros pour son mariage? En boutique, j'ai aussi le collier d'harmonie, le sceptre de Pélops, l'égide de Zeus. L'égide de Zeus, c'est un peu too much, non? Les piles ne sont pas fournies. Bon, et pour le cadeau de mariage, vous avez décidé quoi? Bah, finalement, on est allé chez Castorama et Pollux, et puis on a acheté un super joli olivier en pot. Voilà. Ah ouais, non? Oui, c'est bien, c'est... original. Vu les dernières photos de moi que j'ai postées sur mon blog? Ouais. Et celles sur Instagram? Ça rend bien avec les bouclettes, non? Et sur Facebook? J'ai changé ma photo de profil il y a 8 minutes, t'as vu? Oui. D'ailleurs, ça se fait moyen de se liker soi-même. Je sais même pas comment tu fais ça. En principe, techniquement, on peut pas accéder à cette fonctionnalité. 414 likes de toi-même en 3 jours, c'est un peu trop, non? Ah bah si je devais attendre que ce soit toi qui le fasse, c'est sûr! Autant se transformer direct en statue de marbre. Non mais Narcisse, attends, le prends pas mal. Qu'est-ce que tu lui as encore fait à Narcisse? Je l'ai croisé en train de sangloter devant la glace de l'ascenseur. Hey, mais ça va pas là? Vous pourriez au moins faire attention. Cigarette. Oui, allô, Jean-Marc Héphaïstos à l'appareil. Oui, on a toujours la boutique à Barbès pour débloquer les portables. Mais si vous voulez qu'on vous forge un nouveau smartphone compatible avec Android, il faut qu'on le commande à l'intérieur de l'Etna. Oui, c'est ça. Hey, Wang Lin! Oui, monsieur? Est-ce que t'as fini de réparer le lecteur DVD Blu-ray de Madame Bijawi? Elle m'a encore téléphoné tout à l'heure. Oui, c'est fait. On a aussi amené la GoPro d'Artémis à l'atelier. Bon, c'est bien. Et oubliez pas non plus de faire réparer la box de Pandore. Oui, alors vous, c'est pourquoi? On m'a dit que vous seriez peut-être bricolé ce... Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un javelot de 2 mètres? Il y a marqué Héphaïstos de déforgeron, il n'y a pas marqué Lou la brocante ici. Non, mais c'est pour mon smartphone. Je voulais voir si vous pourriez en faire une perche à selfie.
Tiens, regardez ce qu'il y a maintenant sur l'ancien PC de Narcisse. Ah oui, c'est bien comme ça, c'est un bel hommage. C'est pas mal, non? Oui, ça lui ressemble. C'est terrible de mourir si jeune. Ah bah c'est sûr, ça lui aurait fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est Narcisse, il a été transformé en fond d'écran.